2019, les conditions ont été de nouveau les chaudes et sèches. On a constaté de nouveau 230 000 mètres cubes de bois nouvellement attaqués depuis le printemps 2019. On pense que d'ici 2020, les épicéas dans le nord de la Meuse en particulier ne devraient plus exister. Qui malheureusement est très résistant. Il y a eu des tests, hein, il a été mis dans des congélateurs à des températures vraiment extrêmement froides et finalement, quand on le ressort du congélateur, il est toujours vivant. Le vrai moyen de lutte, hein, c'est effectivement de détecter les foyers le plus en amont possible de leur apparition et puis d'essayer d'exploiter les bois quand les insectes sont présents encore sous l'écorce et d'évacuer ces bois pour donc éloigner les insectes de la forêt. Si on met du chêne, on essaie de prendre du chêne qui vient de régions où ils connaissent déjà des conditions un petit peu plus sèches, un petit peu plus chaudes. On prend plutôt des essences qui sont actuellement dans le bassin méditerranéen.